toutes et à tous, c'est Clash TK. Aujourd'hui, je vais vous faire un tour de cartes. Un tour de cartes. Donc, salut à toutes et à tous, c'est Clash TK. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va faire un nouveau tour de magie expliqué. Donc, c'est parti pour d'abord la démonstration. Et là, je mets démonstration. Ok, c'est parti. Donc là, j'ai le paquet Ghost. Si jamais vous voulez l'acheter, allez directement en description. Il y aura tous les liens qu'il faut pour acheter le paquet. Donc c'est parti pour le tour. Donc pour ce tour, on peut mélanger un petit peu le paquet avant de faire le tour. Ok. Du coup, on va demander au spectateur, donc même si là je suis tout seul, mais on va dire qu'il y en a un, de distribuer les cartes. Donc il peut distribuer les cartes, il peut s'arrêter quand il veut pas, puis il veut s'arrêter là. Il peut s'arrêter, il veut s'arrêter encore quelques cartes après. Peu importe, il s'arrête quand il veut. Donc là on a le paquet. Et avec le paquet qu'il a fait, on va faire 4 petits paquets. Donc voilà, les 4 paquets sont faits. Et là, magie. Si on retourne les premières cartes de chaque paquet, on voit que ce sont l'as de cœur, l'as de pique, l'as de trèfle et l'as de carreau. Magique. Tout de suite, les explications. Donc c'est parti pour les explications. Donc ce tour, je l'affectionne tout particulièrement vu que je le trouve franchement simple. Et franchement impressionnant par rapport à ce qui est vraiment très 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 simple. Donc vous allez prendre les 4 as pour la préparation que vous allez poser sur le dessus. Donc prenez les 4 as et vous les posez sur le dessus. Puis voilà, c'est tout. La préparation est terminée. Donc ensuite, vous allez demander au spectateur de distribuer les cartes sur la table. Et une fois qu'il aura distribué une dizaine de cartes, vous allez lui dire d'arrêter de distribuer quand il le veut. Donc il s'arrête ici, ou il s'arrête là, là, peu importe. Hop. Vous allez prendre le paquet et mettre le gros sur les côtés. Donc ensuite, vous avez juste à dire au spectateur lui-même de distribuer en 4 paquets. Et voilà, une fois qu'il aura tout distribué, bah ça c'est fait automatiquement et vous aurez les 4 as sur les dessus des 4 paquets. Donc petite astuce surtout, n'hésitez pas à faire faire votre spectateur. Vraiment, il faut que ce soit lui qui distribue les cartes et lui qui fasse ses 4 paquets. Hein, il aura l'impression d'agir vraiment dans le tour alors qu'en fait au final tout était déjà prévu. Donc j'espère que ce petit tour vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez comme type de vidéo, de la magie, du gaming, sur quel jeu, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu. C'était Clash TK, salut. Just